it's a biking city because it's been made easy for us. We have very good roads, special track for bicycles. And it's just, for me, it's often much quicker than taking a bus or anything else. It's just how we do it. I think it's just been so for a very long time. Nous aurions dû connaître la même situation que Copenhague, car le vélo était dans les années 70 un mode de déplacement puissant sur le territoire francilien. Mais les politiques de l'époque en avaient décidé autrement. La priorité, c'était la voiture. Les choses ont quelque peu évolué. Et aujourd'hui, le trio tête comprenant la marche, la voiture et les transports en commun représente 95% des déplacements. Mais où est le vélo dans tout ça? Avec 2,5%, il semblerait que la pratique peine à se développer. Pourquoi? Et qu'est-ce qui pourrait faire du Grand Paris une métropole cyclable? Le vélo, effectivement, peut être un atout pour la mobilité des Franciliens. Dans le contexte budgétaire actuel et face aux difficultés de déplacement des grands Parisiens, le vélo reste une mine pouvant être exploitée à moindre coût. Le vélo est un mode extrêmement pratique, extrêmement efficace dans la ville dense. Bah, je me déplace en vélo parce qu'en fait, c'est le mode de transport le plus rapide. Après, il est bon pour la santé. C'est un mode de transport structurellement écologique. Deux tiers des déplacements font moins de 3 km. Près de 50% des déplacements en voiture font moins de 3 km. Donc le vélo peut changer d'ailleurs la question de l'accessibilité. Nous sommes impliqués sur un certain nombre de projets du Grand Paris Express. Ce Grand Paris Express, il sera accessible en vélo avec dans chaque gare la palette des différents vélos, depuis mon vélo à moi que je peux garer jusqu'au vélo gardienné. Véligo, c'est à la fois des abris en accès libre au service et des espaces sécurisés accessibles par Place Navigo. L'objectif de ces stationnements-là, c'est d'être implanté au plus près des accès aux bâtiments voyageurs et accès au quai et de répondre à la demande des usagers qui souhaitent venir en vélo en gare et station en lieu et place de la voiture individuelle. D'ici 2020, près de 20 000 nouvelles places vélo devront être créées dans les gares et stations de l'Île-de-France. En développant la pratique du vélo, on pourrait élargir les zones de rabattement autour des gares à 3 km. Et ainsi couvrir quasiment l'intégralité du territoire urbain d'Île-de-France. Sauf que la question, c'est la cyclabilité. Hein, la possibilité de faire du vélo, même pour des courtes distances, elle n'est pas évidente. Alors aujourd'hui, on compte 5000 km d'aménagement cyclable en Île-de-France. Le problème, c'est qu'ils sont encore un peu dispersés. Tout ça ne forme pas réseau, tout ça ne fait pas système. Manque de continuité, manque de connexion entre les différents tronçons. Tiens, ça me rappelle un truc. Manque de hiérarchie, manque de jalonnement, de signalétique d'une manière générale. Aujourd'hui, le vélo est contraint par le contexte physique d'un réseau de voirie urbain qui reste dédié principalement au mode motorisé. Les voies de bus partagées ont été obtenues grâce à une association Mieux se déplacer à bicyclette qui milite pour la pratique du vélo en Île-de-France. On a surtout été patients. Parce que c'est quelque chose qui a été demandé dans les années 1974 à peu près. Et l'ouverture des couleurs des bus au vélo, c'est arrivé en 2001. Et l'essentiel de l'action pour faire bouger les choses, c'est vrai que c'est quand même de s'adresser aux politiques. La ville de Sceaux s'est engagée depuis de très longues années, à peu près une trentaine d'années, dans une politique de circulation douce. La deuxième étape a été effectivement le développement de la politique vélo. Nous avons décidé de classer la totalité de la ville, hormis les quelques voies départementales, en zone 30. Le vrai levier qu'on peut avoir pour que le vélo émerge dans notre voirie urbaine de la métropole et de l'Île-de-France, c'est si on arrive à calmer les vitesses. Et lorsque vous classez en zone 30, d'abord vous n'avez pas besoin de faire de marquage de bande cyclable et le vélo doit être considéré pour ce qu'il est, c'est-à-dire vraiment un mode de déplacement. Pour développer un réseau cyclable, il faut un savoir-faire. Il y a des spécificités à prendre en compte. Nous avons également été une des premières villes à adopter le contresens cyclable et aujourd'hui donc, nous inaugurons la possibilité de pouvoir tourner à droite au feu rouge, voire même aller tout droit au feu rouge, comme d'ailleurs les textes nous le permettent. Pour faire du vélo un mode de transport du quotidien, un mode de transport utilitaire, oui, il faut aménager les infrastructures. L'idée, c'est qu'avec un réseau express vélo, un rêve, le vélo devienne un mode performant à l'échelle des 20 km.
De Montrouge, je rejoins la coulée verte à Bagneux, donc après je prends la coulée verte jusqu'à Massy. Et après, il y a des pistes cyclables pour aller sur le plateau de Saclay. Donc honnêtement, s'il n'y avait pas ça, je ne ferais pas ces 18 km. Pour promouvoir le vélo, il n'y a pas que l'aménagement, hein. Il faut soutenir la pratique. Ça peut être du conseil en mobilité, ça peut être des vélos-écoles. Nous avons d'ailleurs développé une politique aussi d'aide à l'achat des vélos à assistance électrique. Et puis bien sûr, le vélo en libre-service. On a vu le phénomène extraordinaire à Paris se produire, le phénomène Vélib. Vélib compte aujourd'hui près de 280 000 abonnés et enregistre une location à la seconde. Le Vélib, ça a été vraiment un élément très important. Toutes les villes de l'agglomération et Paris, on est en train de travailler à imaginer donc un Vélib 2 qui couvrirait la totalité de la métropole. Ça, il faut absolument qu'on y parvienne. Dans l'action de faire, le fait d'avoir une métropole en capacité de gérer et d'organiser en cohérence les choses à l'échelle de ce vaste territoire, ça pourra être formidable. Moi, je fais du vélo à Paris depuis 10 ans et honnêtement, oui, ça se développe beaucoup. Je dirais que les signes viendront des gens eux-mêmes qui, à un moment donné, seront demandeurs. Le budget participatif de Paris a été l'occasion pour certains citoyens de proposer de nouveaux aménagements cyclables. Le projet de Vélo Boulevard est né à la suite d'un sondage réalisé par notre association. On a demandé aux Parisiens quels sont les axes de trafic qui vous paraissent les plus urgents à aménager. On a eu une relative surprise parce qu'on a vu les grands boulevards sortir de loin en tête. On prévoit de mettre de chaque côté des grands boulevards 3 mètres de pistes cyclables protégées. Et tant qu'à faire, on s'est dit on va faire une boucle complète, une sorte de rocade vélo. C'est ça qu'on appelle le vélo boulevard. Alors ça ferait République, Opéra, Opéra, La Concorde, La Concorde, Saint-Germain, Saint-Germain, Gare de Lyon, Gare de Lyon, Bastille. Le fait qu'on soit toujours là, qu'on soit toujours présent et de plus en plus nombreux, on sent que ça pèse quand même. Mais ça pèse sur ceux qui veulent bien entendre. On sent qu'il y a une vraie envie citoyenne autour du vélo. Je pense qu'il n'a pas atteint son développement, le développement qu'il pourrait avoir. Négliger le vélo comme mode de transport structurant pour demain, ce serait certainement une erreur. Ce serait un loupé. C'est vraiment un élément de la mobilité du futur. L'action des acteurs publics sur le territoire de la métropole montre une volonté de faire. L'envie citoyenne est là. Maintenant, il faut une cohérence à tout ce réseau. Le Grand Paris sera-t-il en mesure de l'établir ?